Salut tout le monde, c'est Never Back George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'auditeur Sword Munich. Et j'ai dit une grosse connerie dans l'épisode d'avant, je viens de me rendre compte. En fait on joue pas du tout contre Mayence, on joue contre Eintracht Francfort. Mayence on les a joués là, je sais pas. En fait j'ai vu du rouge et du blanc, j'ai dit Mayence, j'ai pas regardé le logo. J'ai dit une grosse connerie, bon je pense que vous allez le relever dans les commentaires, hein. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai vu du rouge et du blanc. Mais bon, c'est quand même un gros match, ils sont derrière nous, mais on va essayer de les battre. On va leur mettre ce maillot là, on va mettre l'équipe type. Et allez, on est parti tout de suite pour ce match. Ça serait bien de sortir deux gros matchs et deux victoires dans cet épisode pour se relancer en championnat. Parce que franchement, le minimum c'est vraiment l'Europa League. Si on n'arrive même pas à se qualifier pour l'Europa League et qu'on n'a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça sera une saison un peu triste quoi. Une saison un peu triste. Surtout qu'on va toujours pas découvrir la Ligue des Champions. Et ça c'est triste, hein. À moins qu'on gagne l'Europa League, mais bon. Je préfère ne pas me faire d'illusions par rapport à ça. Ça serait bien de la gagner vraiment, hein, franchement. Si je peux la gagner, je vais tout donner, hein, vraiment. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Allez, ce début de match, on va quand même essayer de bien figurer en championnat pour au moins se qualifier pour une Coupe d'Europe au cas où. Allez. Attention là. Kurt qui essaie de se battre. Ah, Kosterman bien joué. Allez, Kurt. Il est passé, Kurt. Il évite les tacles. Il la donne. Bien joué pour Liendl. Witek pour Liendl, c'est bien joué ça. Liendl qui va tenter sa chance, c'est juste au-dessus. Oh, c'est dommage. Oh, je l'avais vu dedans, je sais pas pourquoi je la sentais dedans. Oh là là, dommage, la frappe tentée de loin, je me suis dit pourquoi pas, elle passe pas loin. Après, Lindner était sur la trajectoire. Mais elle était pas mal cette frappe. Allez, Gnabry, qui est un duel là, avec le défenseur latéral. Bien défendu par Bjelić. Ça joue devant Seferovic. Le grand Seferovic. Il a été poussé par Gunther. Il va faire la faute, Gunther. Allez, Rossa le coup franc. C'est bien tiré. C'est très bien tiré. Dragowski qui est vigilant. Allez, Maxime qui va tirer ce corner. Oh, attention, Kosterman bien joué. Maxime qui a Francfort dans cette carrière. Joueur de Stuttgart. Allez, il va tirer ce corner à nouveau. Dragowski cette fois-ci qui repousse en touche. À moins que ouais, Maxime la sauve, malheureusement pour lui. Ce sera une touche pour nous du coup. Et du coup, on peut partir avec Zwolinski. Qui a totalement changé de côté. Voilà, c'est bien joué avec Klosterman. Belle passe pour Gnabry là, sans contrôle. Allez, Gnabry. Ah, je l'ai fait trop tôt. Je l'ai poussé trop tôt le ballon. Et Gnabry qui va la récupérer. Bien battu. Il lance là-bas Klosterman. Est-ce que ça va être juste? Non, il va la voir Klosterman. Klosterman, la frappe de frappe, il est passé Klosterman. Lucas Klosterman. Allez, encore. Ah, il est mal joué, c'est mal joué. Ah, il va dégager en touche ACB. Il a eu peur du pressing de Bjelić. Si je dis pas de bêtises, c'était bien Bjelić. Klosterman. Gnabry. Il est passé Gnabry. Gnabry cherche une solution. Klosterman qui lui donne. Allez, voilà, jouer à deux, il lui remet, c'est bien joué, ils ont éliminé les deux défenseurs, peut-être, non, un seul. Ospika ne s'est pas laissé avoir. Ouf, il y a faute sur Gnabry, là. Uri Russell et Klosterman qui s'est battu, voilà. Ils se battent sur le côté, là, Gnabry et Klosterman, depuis le début. Et ils jouent à deux, ils jouent encore à deux. Et ils ont du mal avec ce défenseur, là, Ospika qui se laisse pas avoir. Ouf. Corner, c'est bien, on obtient le corner. Et Gnabry qui va la jouer avec Kurt. Le bon centre, il est beau le centre. Baumgart. Le centre, je l'ai vu tout de suite qu'il était beau. Et Baumgart qui vient ouvrir le score. Et Kurt qui était déjà dans le centre. Attendez, je vais suivre la trajectoire de Kurt, c'est ce qu'il a fait. Là il était dans l'axe, ok. Il était dans l'axe déjà. Et regardez Baumgart, cette reprise de volée assez bizarre. Oh là là, qu'est-ce qu'il va mettre avec son pied entre les mains du gardien. On a un peu de réussite. Mais Baumgart qui va marquer. Je crois que c'est son deuxième but, si je dis pas de bêtises, non, cette saison. Non, c'est son premier en championnat cette saison. C'est son premier en championnat, mais il avait dû marquer en coupe ou en coupe d'Europe, je pense, parce que je l'ai déjà vu marquer, Baumgart. Et du coup, 1-0 dans ce début de match, ça fait plaisir.
avant la demi-heure de jeu, on concrétise notre domination parce qu'on pousse depuis un bon moment là. Allez, Liendal avec Gnabry sur le côté. Gnabry. Ah, le mauvais décalage là, Gnabry. Il a été très très lent. Et attention là, la contre-attaque avec Maxime. Face à Gunther. Pas taclé dans le vent, pas taclé. Alors, les deux dessus. Voilà, Gunther qui a poussé Klosterman qui est tombé. Et du coup, il a poussé le ballon en tout. Ça, c'est bien joué, c'est du travail d'équipe ça. Maxime qui va être repris par Klosterman. Quel gros match de Klosterman pour l'instant. Et Klosterman qui va pas s'arrêter là, il va pas s'arrêter là. Et il pousse le ballon, Klosterman, il est plus rapide, il est plus rapide. Le centre de Klosterman. Oh, dommage, Liendl, s'il avait réussi à la tacler. Alors, on est vraiment en train de les pousser là, on est en train de les pousser. On les pousse à l'erreur. Et Klosterman qui est déjà revenu en défense. Hein. Ospika. Ah, le côté là, notre côté droit, il fait très très mal avec Klosterman Gnabry dans ce match. On joue que sur ce côté depuis le début, mais ils font la différence. Yuri Russell qui est pris par Baumgart, dommage. Dommage. Quoi, corner? Enfin, faute? Ah bah d'accord, je vois pas en quoi il y a faute là. Ah bon, c'est pas grave. Allez, c'est bien tiré, attention. Attention, Bielic, j'ai eu peur là d'un petit bug. On la récupère quand même avec Klosterman. Allez. Klosterman qui a vu là-bas, il a vu Kurt totalement seul et elle est magnifique cette passe, elle est magnifique. Et Kurt là-bas qui a vu Gnabry et ça n'a pas passé, dommage, c'était bien tenté. C'était très bien tenté, là on l'avait vu Liendl, bien joué. Bien joué, Léa Iseka. Léa Iseka, dommage, il n'a pas réussi à passer. ACB. Chandler. Anderson. Léa Iseka, il s'est bien battu. Il va jouer derrière avec Liendl, c'est bien joué. Liendl. Liendl la frappe. C'est dans les bras de Lindner. Grosse première période là. Enfin, très bon match. On est supérieur, il n'y a rien à dire, on est devant. Wittek, bien joué. La récupération de Wittek avec Liendl. Pour Kurt. Kurt avec Zwolinski. Zwolinski qui va tenter de centrer, ça va revenir avec Kurt, mais Chandler l'a récupéré. Bonne défense. Bielic aussi, bonne défense, mais c'est récupéré. Il y aura une faute. Il y aura une faute pour nous. Ok, génial. Zwolinski qui va la mettre dans le paquet. C'est bien mis, c'est bien mis. Baumgart encore. Dommage, la tête n'est pas cadrée. Et on va se quitter là-dessus sur la première période. 1-0. Grosse première période de notre part. On a vraiment, vraiment dominé. Voilà, il siffle enfin. On a vraiment, vraiment dominé. On va voir ça au niveau des occasions de toute manière. Je suis sûr, je dis ça et j'ai même pas vraiment dominé. C'est juste une impression. Bon, 4 tirs de cadré, c'est quand même beaucoup 4 tirs pour nous, 1 tir seulement pour Francfort qui a pas été cadré. Donc on a été quand même assez supérieur. Et du coup on va partir pour cette seconde période en espérant qu'elle se passe aussi bien. Qu'on se crée plus d'occasions encore et qu'on marque tout simplement. Mais je trouve qu'on a bien joué cette première période. On est bien au-dessus. Allez, Wittek. Wittek. Bielic. Klosterman. Klosterman. Ah, dommage. Il n'est pas passé. Castaños. Et voilà, Baumgart, bonne défense. Gros match aussi de Baumgart. Un but et derrière, il fait le taf comme toujours. La défense centrale, autant vous dire que j'ai pas du tout envie d'y toucher et j'y toucherai pas. Gunther, Baumgart, c'est du très très lourd, je trouve. Oh, dommage. Dommage. Je les échangerai même pas, j'échangerai même pas un des deux pour Sergio Ramos ou pour autant pour un Allemand, je veux dire, pour Mats Hummels par exemple, qui est certainement l'un des le meilleur défenseur allemand du jeu peut-être. J'échangerai même pas un des deux là pour lui. Allez, Russe là, attention, il est pressé par Léa Iseka, c'est dangereux. Léa Iseka, il va y aller, il va y aller. C'est bien, bon pressing. Yuri Russell, Castaños. C'est contré, voilà, gros pressing, ça les perturbe. Wittek qui la récupère, allez. Ah, il s'est battu, il l'a poussé, mais il y a un autre joueur, c'est ACB. ACB face à Wittek. Passe en retrait pour Chandler. Attention, attention, on n'est pas à l'abri là, attention. Bien joué, Dragowski. On n'est pas à l'abri, on mène que 1-0. Faut pas s'enflammer, le match n'est pas gagné. Zwolinski. Zwolinski qui nous relance. Avec Gnabry. Gnabry. Serge Gnabry. Gnabry pour Léa Iseka. Anderson qui a pu la reprendre juste avant.
C'est bien tenté. Bjelić, attention, très mauvais contrôle de Bjelić. Et il va se faire passer en plus. Il se prend un grand pont. Mal joué sur ce coup, Bjelić. Voilà, ça va sortir. On va faire quelques petits changements. Faire sortir Bjelić qui ne tire jamais un match entier. On va faire rentrer Amiri à la place de Liendl. Et on va faire sortir Gnabry qui va faire. Non, on va faire sortir Kurt. On va sortir Kurt pour Grégoric. Allez, allez, on va faire ça comme ça. Witek. Avec Grégoric, justement. Daoud. Daoud avec Witek. Witek. Witek, bien joué pour Amiri. 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 Ah non, non. Je dois pas louper une passe comme ça. Daoud qui s'est bien battu pour la récupérer avec Gnabry. Gnabry avec Amiri. Amiri l'a vu, Zwolinski. Ah, ça a été contré par Anderson encore. C'est tout le temps lui. C'est tout le temps Anderson qui compte la dernière passe. Daoud, allez encore. Oh, la faute de Daoud là, attention. Maxime. Castagnos. Voilà, bien joué Gunther. Bonne défense. Amiri. Leia Iseka. Castagnos. Witek, attention. Attention. Voilà Daoud, bien joué. Bonne récupération Daoud. Allez. Allez, il faut y aller là. Il lance Leia Iseka. C'est un peu court. Anderson qui est toujours là. Gros match de ce défenseur là. Stendera au milieu de terrain. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Bouba Sarré. Chandler, Chandler pour, face à Grégoric. Grégoric, il est frais. Et il vient d'entrer. Zwolinski. Zwolinski. Zwolinski pour Leia. Et Leia Iseka. Leia Iseka qui va marquer son premier but depuis son retour à Munich de son prêt à Bochum. Et c'est une offrande là, Grégoric qui a fait le taf. Et Zwolinski qui va offrir une offrande, ça se dit pas, mais qui va offrir le but à Leia Iseka qui a plus qu'à marquer. Et j'ai eu peur de le rater, hein. J'étais pas serein, je vais pas vous le cacher. Et Leia Iseka qui marque, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et il est félicité par Witek et Zwolinski derrière. Son premier but en Bundesliga. C'est bien Leia Iseka. C'est ça que je voulais voir. Circulation du ballon. Bon, c'est pas toi qui a fait tout le taf, mais t'es quand même à la finition et c'est toi qui marque. Ça fait du bien. Allez. Ouais, c'est bien taclé. Et du coup, là, on a pris une grande option sur la victoire. Leia Iseka. Avec Grégoric. Grégoric, attention. Amiri. Face à Chandler, non, ça passera pas. Bouba Sarré. ACB. Russe. Psyka avec Castagnos. Regardez, ils sont nombreux devant. Ils sont nombreux. Ils jouent tout par l'attaque. Ils jouent tout pour l'attaque. Castagnos qui va se présenter face à Dragowski. Il a poussé le ballon trop loin. Dragowski qui est bien sorti. C'est mal relancé par contre. C'est mal relancé, pardon. Attention. Seferovic, le centre. Il est beau le centre. Il est beau. Oh, Dragowski qui n'était pas sorti en plus. Il enchaîne les bons arrêts. C'est parfait. Allez, Witek. Attention, le contrôle est raté. Ça va, c'est sans répercussion et Grégoric qui pousse le ballon. Grégoric, Grégoric. Ah, je l'ai poussé un peu trop. Allez, Chandler. ACB. ACB pour Maxime. Maxime le bon centre. Et voilà, Dragowski encore une fois, c'est pas dangereux pour lui. Oh, balancé devant avec Leia Iseka. Et le contrôle, il est bon le contrôle. Ah, dommage, Zwolinski qui est hors jeu. Dommage. Dommage, c'était une bonne récupération. Stendera. Stendera pour Seferovic. Seferovic. Klosterman, bien joué. Gnabry. On dégage devant. Allez. Ah non, les gars. Il a laissé passer le ballon. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et on va s'imposer. Victoire 2-0 face à l'Eintracht Francfort à la maison. Grosse victoire. Une grosse victoire qui va faire du bien pour le championnat. Qu'est-ce qu'a fait Wolfsburg? On peut peut-être passer dans les qualifiés pour l'Europa League. Wolfsburg a perdu en plus. Wolfsburg a perdu. Très très bonne nouvelle pour nous. Ça fait qu'au classement, on est remonté 6ème. C'est plutôt bien. Et regardez, c'est très serré. Hein. C'est très serré. Et puis on revient même dans la course à la 4ème place. Hein. On n'est plus qu'à 3 points de Leverkusen. On est à 4 points de Schalke qu'on va affronter là tout de suite. Et derrière, on joue Leverkusen.
Oh, comme quoi, ça peut aller très très vite, là. Si on enchaîne quelques victoires consécutives, ça peut aller très vite. On va attaquer ce match contre Schalke. On va leur mettre le maillot alternatif. On joue encore à la maison. Je suis obligé de mettre les remplaçants quand je vois comment sont frais les titulaires. Hein. Ils sont totalement morts. Ouais. Il n'y a personne qui est capable de jouer. Donc on va mettre l'équipe remplaçante. Pourquoi c'est Liendal ici? On va mettre Jankowski. Ox, Amiri, Daou, tout ça. C'est bon, c'est bon. On va mettre le petit liner sur le banc. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien cette équipe. Ça me plaît plutôt pas mal. Allez, on va lancer ce match. Même si c'est une équipe remplaçante, j'ai totalement confiance en eux. Allez, j'espère qu'ils vont réussir à aller chercher une victoire. Regardez cette équipe. Cette équipe a fait match nul contre la Lazio. Donc je pense qu'ils sont capables d'aller faire un résultat contre Schalke. J'ai mis deux barres. Allez, c'est parti. Allez, je veux un épisode parfait là. Je veux un épisode parfait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et c'est parti. Grégoric qui décale tout de suite Jankowski sur le côté. Jankowski qui est chaud là. Il accélère d'entrée pour Grégoric. Oh, dommage, dommage. Dommage que Matip est passé. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Gull plutôt, devrais-je dire. Sam, Sidney Sam. Et voilà, Schindler, bonne défense. Ox au milieu de terrain. 60, l'équipe qui avait fait un bon match lors de sa dernière rencontre à domicile en s'imposant Ox contre l'Eintracht de Francfort. Et une belle victoire 2-0. Ox encore, Ox toujours. Ox qui s'arrête plus. Mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le. Jankowski. Ah, dommage, Jankowski qui a voulu les remettre parce qu'il était enfermé. Ox qui a fait une belle action, une belle percée. Passe lac avec Amiri. Amiri, il est passé. Amiri, Amiri, la roulette. Ah, qui a aidé. Dommage que la frappe soit pas bonne. Dommage parce qu'il avait fait un très très bon dribble. Di Santo avec Sidney Sam. Schindler. L'équipe locale qui est Amiri. Ah, dommage. Schroeter. Je vois que vous avez bien préparé votre match. On a vraiment une très très bonne défense. Hein. 12 buts en 23 matchs. On est vraiment très très chaud en défense. Ah, dommage, dommage. Aogo, attention Aogo. Oh, Aogo, le grand pont. Oh, Aogo. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Aogo, là? Oh, et Mirovski qui fait l'arrêt. Bien joué, Mirovski. Allez. Attention, là, attention. Mais oui, c'est très dangereux quand c'est au premier poteau comme ça. Et par contre, il y a un gros contre, là. Il y a un gros contre. Ah, Okocie qui est pas passé. Dommage, ça. Bien joué, Daoud. Daoud. Daoud pour Jankowski. Ah, dommage. Ah, Jankowski. Avec Daoud. Amiri. Amiri. Ça passe pas. Kaysara. Sam. Sam avec Kaysara encore. Oedes, ça joue derrière, ça joue derrière. Attention, allez, un bon pressing Amiri. Ah non, ça passera pas. Encore, encore, faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut presser les gars. Ma tactique c'est le pressing et il presse pas là. Allez, coaché. Ah, dommage, dommage. Jankowski. Mal donné. Kaysara. Oh, attention pour Sidney Sam. Sidney Sam, la tête de Di Santo. Non, passe la. Et non! Et non, quel manque de chance! Mais quel manque de chance! Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai contrôlé pas Slack. Il était contrôlé par l'ordi et il a fait une relance comme ça. Ah là là! Parce que c'est pas moi qui ai appuyé pour pas Slack. Il était contrôlé tout seul, regardez. Ah là là, il lui donne vraiment le ballon en plus. Je sais pas si pas Slack la compte pas, si elle sortait pas en plus. Et Romelu Lukaku qui marque. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est un match important là. Allez, Jankowski. Ah, c'est mal donné, c'est mal donné. Ouf. Ouh, la grosse faute. On a la grosse faute, mais on a toujours le ballon avec Daoud. Daoud, Daoud encore, Daoud toujours. Non. Non, et non, et non. Il a tiré sur le gardien alors que j'ai bien tiré. Oh là 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 là. J'ai bien décalé la frappe. Oh là 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 là, dommage. Dommage. Ah, je suis tellement deg, Daoud avait fait tout ce qu'il fallait. Et devant le gardien, il a fait de la merde.
Ah, ça là 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 là. Allez. Di Santo avec Sam. Allez, Schindler. Ballon récupéré sur cette intervention. Allez. On peut s'en créer des occasions dans ce match. C'est bien joué celle-là pour Gregoric. Non, j'ai pas bien coupé. Je voulais couper plus loin, enfin plus coupé quoi. Là, il a juste tourné. Je voulais vraiment couper la trajectoire. C'est pas grave, allez. C'est pas grave. Je suis en confiance là. Donc au niveau des occasions, on peut s'en créer. Mais au niveau des frappes, il va falloir vraiment être meilleur. Parce que là, c'est pas bon du tout. Schindler face à Sam. Sam, il passe. Hein. Il passe, Sidney Sam. Bien joué. J'ai l'impression que Schalke, c'est un peu une bête noire aussi depuis qu'on les joue. Parce qu'on les a joués pour la première fois en Coupe d'Allemagne en finale. Quand on était en D2, on avait perdu 3-0. Et depuis, il me semble qu'on les a jamais battus. Hein. J'ai dû faire quelques matchs nuls sur les 4, enfin sur les 3 derniers matchs de championnat. Sur les 3 matchs de championnat qu'on a eu contre eux. Mais je crois que j'ai fait un nul de défaite ou 2 nuls une défaite. Et là, ça se passe encore mal. Ça se passe encore mal. Je crois que je les ai jamais battus. Hein. Allez, Murawski. Avec Amiri, ah c'est mal joué encore, c'est mal joué. Sidney Sam. Oui, le centre. Voilà, Murawski bien joué. Oh attention, c'était pas pour lui en plus la passe, et voilà. Et le pressing derrière, il est gros, donc on perd la balle. Oh, c'est parti. Mais oui, c'est très mal joué cette action, très très mal joué. Allez, pas en prendre un deuxième avant la mi-temps surtout, parce que ça serait compliqué de revenir sinon. Voilà, Murawski. Allez, il est seul au coaché. Allez. Ah, mais il est beaucoup moins rapide que Kaysara. Allez, pressing. Farman. Il n'y a personne qui vient avec lui presser aussi. Donc derrière, c'est facile pour le gardien. Oh là, Kaysara. Quel point de vitesse sur son côté. Et du coup, 1-0 à la mi-temps. Oh, regardez les stats vite fait. Ouais, on a assez dominé quand même. Hein. 60% de possession de balle, ils ont eu plus d'occases. Bon, après, ils ont eu surtout leurs occases sur les mêmes. Enfin, ils ont fait beaucoup de frappes sur les mêmes occases. Donc, ils n'ont pas eu énormément d'occases. Un peu comme nous, mais nous, franchement, celle avec Daoud, on doit jamais la rater. C'est dommage. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Allez. Faut faire mieux en seconde période. Pure pensée à la première. Sidney Sam avec Di Santo. Goul. Ah mais ça c'est incroyable, allez relance. Faut s'appliquer. Di Santo. Ah la Ox. Daoud. Ah Schroeder. Schroeder. Ah la bonne récupération. Bonne récupération, il y a un gros contre à jouer. Daoud. Non mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais c'est pas vrai ça. Oh là 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 là. Quand je vous dis qu'à chaque fois que je fais une passe, il y a un joueur sur la trajectoire et ça va tout le temps sur le joueur. C'est tout le temps comme ça. C'est incroyable quand même. C'est tout le temps comme ça. Bien joué. Non mais. Oh là là, l'arbitre il a décidé d'être chiant aujourd'hui sur les fautes. Ici des fautes un peu de merde. Ouh, gros coup franc. Murawski qui l'a repoussé en corner du coup. Bien joué Murawski, bonne sortie là. Très très bonne sortie. Kaysara qui joue derrière avec Neustadter. Alors la récupère au coaché. Avec Daoud. C'est mal joué, c'est très très mal joué ça. Passlack. Avec Lukaku. Ah c'est mal joué, mais ça joue mal là. Ça joue très très mal dans cette seconde période. On n'est plus du tout au niveau depuis qu'on a pris le but. Hein. Attention, il faut y avoir penalty en plus là. Amiri avec Okocie. Oui non, c'est catastrophique. Mon niveau de jeu là depuis le but, c'est catastrophique. J'arrive plus à faire une passe. Il n'y a plus de solution devant. Faut vite faire des changements là parce que ça se passe. Oh non mais par contre les fautes faut arrêter. Faut arrêter de siffler des fautes où il n'y a rien. On va tenter quelque chose. Comment on fait pour bouger un joueur déjà? Ouais comme ça. On va tenter quelque chose. On va mettre un troisième buteur.
Et on va mettre Daoud au milieu de terrain. On va avoir Arsenal milieu de terrain. Alors, faut tenter des choses. Faut tenter des choses. On va sortir Daoud justement pour Lainer. On va mettre Lainer au milieu de terrain. On va sortir Amiri pour Mulic. Et on va sortir Jankowski qui est fatigué. On va mettre Zeterer. On va mettre Zeterer sur le côté là. Allez, c'est parti. On va tenter ça comme ça. Ah. Un bon 4-3-3, mais un vrai avec 3 buteurs. Il faut tenter quelque chose, on est mené donc. Oh non, Miroski, tu peux la capter celle-là. Tu peux la capter, elle est tout doucement, elle arrive dans tes bras. Je ne suis point d'accord. Ah, c'est repoussé. Allez au coaché. Allez au coaché, le contre. Le contre. Et il est hors jeu, mais bordel, niveau timing, qu'est-ce que je suis mauvais! Qu'est-ce que je suis mauvais! Ah là 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 là! C'est totalement ma faute en plus là. Et bien joué Zeterer. Il n'y a personne, il y a trois attaquants. Et il n'y en a pas un qui arrive à aller sur le ballon là. C'est pas normal. Mikkels. Attention à la réception de ce centre. Ouf! Oh beau but! Très très beau but de Neustadter. Il n'y a rien à dire, on va le regarder au ralenti. Belle action là. Il est seul dans l'axe. Il n'y a personne qui sort sur lui. Il envoie une grosse frappe. Bien joué. 2-0. C'est mérité, on joue mal. On joue mal sur cette seconde période. Franchement, on a un niveau de jeu catastrophique là. Du coup, on mérite totalement cette défaite. Zeterer, il est passé, allez. Zeterer, pourquoi pas nous remettre dans le bain tout de suite. Zeterer. Oh, dommage, non! Mais appliquez-vous la passe. Elle arrive à 2 à l'heure. Un gros pressing là. Un gros pressing. Il y aura la touche. Il y aura la touche, mais allez, plus vite, plus vite. Oh là là, mais c'est quoi ces passes? Ah, dommage, on avait bien joué le premier match et derrière on craque totalement sur le deuxième. A chaque fois qu'on a l'occasion de se relancer dans la course, derrière on fait une grosse boulette et on perd. Donc bon, c'est un peu dommage. Allez, Akpo avec Mulic, avec Gregoric. Gregoric, il est passé. Non, il passera pas. Oh, et là, il n'y a pas faute. Ah, ça va, Gregoric s'en est sorti, mais finalement, il arrivera pas à tirer. Mais la grosse faute sur Gregoric. Allez, on va la jouer court avec Zeterer. Là-dessus, c'est totalement un bug du jeu. C'est pas moi, parce que je lui fais la passe et il choisit la direction dans laquelle il part. Parce que moi, j'étais parti de l'autre côté. Et il s'en va en pleine touche. Je sais pas pourquoi. Ox. Avec Lainer. Mais encore une fois, hein, c'est pour Zeterer, il la met sur Nastasic dans l'axe. Ça va, les passes en profondeur, elles vont tout le temps sur un joueur. Regardez, tout le temps. Non, non, non. J'ai appuyé tout doucement. Non, là par contre, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Il y a des matchs où les passes, elles abusent, quoi. Mais c'est incroyable que c'est comme ça. Regardez, mais toutes les passes sont ratées là. Alors que dans le premier match, tout se passait bien. Dans la première période, ça allait. Et là, d'un coup, toutes les passes sont ratées alors que je joue de la même manière. Gregoric. Allez, il est passé. Oh non, là, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. J'aurais dû tenter une frappe, hein, mais bon. De toute façon, c'est perdu dans tous les cas, donc. Donc voilà, c'est pas très grave. Allez, Mulic. Mulic, il est passé. Mulic encore, bien joué. Ah mais par contre, là par contre pour moi il y a faute parce que il me pousse et du coup ça me fait perdre du temps et il peut revenir sur moi. Bah c'est une faute ça. C'est une faute totalement. Mais bon, on s'incline du coup sur ce match, c'est mérité, on a très très mal joué. On va voir ce qu'ont fait les autres. Dortmund a perdu en plus contre Leverkusen, on va aller vite voir le classement après. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs, 83-89 cette erreur. Dommage, il a un peu baissé, 72-88 ici, c'est pas terrible ça. Zeterer c'est bon, mais ici c'est pas terrible. Je le libérerai sûrement. Donc on va avancer jusqu'au prochain match. Non merci le Pérou. Donc on va aller faire un petit tour au niveau du classement. Qu'est-ce que ça donne? On est 8ème, on est 8ème. À 1 point du 5ème aussi. Donc, par contre il y a un gros trou qui est fait avec le 4ème. C'est dommage, si on avait gagné, on serait bien revenu. On serait très très bien revenu, on serait revenu à 3 points du Bayer Leverkusen. Qu'on affronte en plus au prochain match.
Mais bon, là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué d'aller chercher l'Europa League si on continue comme ça, parce qu'on fait beaucoup trop de mauvais matchs. Mais bon, il y a deux places qualificatives, la cinquième et la sixième. Et on est à un point des deux, donc c'est toujours possible. C'est toujours possible. Donc au prochain épisode, laissez-moi en jouer en paix. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a avec Zolinski là? Anana a participé au lancement d'une gamme de chaussures dans un grand magasin lorsque les médias ont pu l'approcher, lorsque ça vient d'un acte évoqué. Je ne suis pas le genre de joueur qui dit aux médias ce qu'il ne dit pas son entraîneur à l'entendre d'aucune relation de ma part aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que mon avenir fait l'objet d'une discussion. Non, ce sera fait en attendant, je porte ce fameux maillot et c'est pour donner le maximum à mon club. Et j'espère vraiment qu'il va rester. J'espère vraiment qu'il va rester. Attendez, j'ai vu un truc avec Amiri aussi. Amiri ne trouve pas ses marques. Ah, parce qu'il a fait des mauvais matchs ces derniers temps, mais c'est pas très grave ça. Calendrier. Donc, prochain épisode, Leverkusen et le match aller contre la Juve. Ça va être un très très gros match. Donc, prochain épisode, soyez présents. Et dans le deuxième épisode de la semaine prochaine, ça sera Cologne en championnat et le retour contre la Juve. Donc, encore deux gros matchs. En espérant que cet épisode vous aura plu, je vais faire un petit tour au rapport d'équipe. Je sais que vous allez me le demander. Donc, un petit plus 1, un petit plus 2. Gunther qui s'améliore pas beaucoup, mais il est déjà 76. Baumgart plus 2. Witek encore plus 1, c'est bien. Bielic plus 2. Gnabry plus 2 encore, c'est très très bon ça. Kurt qui s'améliore pas, donc lui il va certainement partir. Si ça s'améliore pas, c'est pas bon signe. Donc voilà. Liendl moins 1, mais il est toujours en 71, c'est bien. Leia ICK plus 1. Zwolinski encore plus 1. Gregoric qui s'améliore pas. Philippe Ox plus 2. Paslak plus 3. Très très bonne saison pour Paslak. Amiri plus 3 également. Daoud plus 4. Très très grosse saison pour Daoud. Schindler qui s'améliore plus, mais c'est logique. Zetterer plus 2, c'est bien. Murovski plus 1. Leiner plus 1. Jankowski plus 4. Plus 4, ça fait du bien ça. Groziki plus 3. Gökhan plus 1. Mulic plus 1 aussi, c'est bien ça. Très très bon pour Mulic. Ersoy qui s'améliore pas, mais ça c'est depuis le début qu'il est arrivé, c'est dommage. Mugosa qui devrait partir. Akpo plus 1. Akpo plus 1, c'est plutôt bien. Okoche moins 1. C'est pas bon ça. C'est pas bon pour Okoche. Devante Parker qui a pris un petit plus 1. C'est bien ça, il avait pas pris de plus avec nous, je crois. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.